on s'endort avec sans salam alek, puis on se réveille pareil. C'est un peu partout, c'est dans le genou, l'épaule ou la hanche qui flanche. C'est pas dramatique, c'est un peu critique, on s'en passerait, c'est vrai. On garde l'espoir, mais va-t'en savoir où ça ressortirait après. On vit avec ces vieilles douleurs, c'est pareil pour le cœur. On prend son mal en impatience ou en indifférence. On a connu des jours meilleurs, c'est pareil pour le cœur. On prend son mal en insouciance. Comme une évidence. On sait d'où ça vient ou on n'en sait rien. Enfin ça fait mal, normal. Est-ce que c'est physique, psychosomatique ou rien qu'un fantasme, marasme? On a essayé tout pour se soigner. Massage et piqûre, c'est dur. Physiothérapie, boire son pipi. Tai chi, ostéo, zéro. On vit avec ces vieilles douleurs, pareil pour le cœur. On prend son mal en impatience ou en indifférence. On a connu des jours meilleurs, c'est pareil pour le cœur. On prend son mal en insouciance ou comme une évidence. Et si un matin on ne sentait plus rien, ça nous manquerait, pas vrai? Avouons ensemble que c'est devenu comme un vieux compagnon grognon. Qu'on rit, qu'on se plaigne ou qu'on les dédaigne, elles sont toujours là, voilà. Au moins quand on souffre, on ne voit pas le gouffre, on se sent vraiment vivant. On vit avec ces vieilles douleurs, c'est pareil pour le cœur. On prend son mal en impatience ou en indifférence. On a connu des jours meilleurs, c'est pareil pour le cœur. On prend son mal en insouciance ou comme une évidence. On vit avec ces vieilles douleurs, pareil pour...